Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je me présente, je m'appelle Nathalie Krebs, je suis formatrice internationale dans le domaine de la beauté, donc c'est-à-dire la prothésie ongulaire, le maquillage, l'extension de cils et prochainement le massage bien-être également. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit cours sur l'extension de cils. Alors c'est vraiment un cours de base, on verra bien sûr pas des choses très très poussées, mais si vous n'y connaissez rien du tout en extension de cils, vous allez déjà sans doute apprendre pas mal de choses. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous montrerai également la formation donc d'extension de cils professionnelle, comment ça se passe. Donc on ira directement sur le site internet, je vous montrerai voilà comment accéder à la formation et puis bien sûr tous les modules qu'elle comprend et aussi voilà toutes les petites choses autour. Voilà, je vous explique tout ça à la fin de cette vidéo. Mais en attendant, on va commencer tout de suite donc sur notre petite feuille à faire tout ça. Donc voilà, là je suis juste sur un certificat. Donc, comme vous pouvez le voir, après chaque formation, je remets un certificat que je remplis moi-même, que je signe et que j'envoie à mes élèves parce que pour moi c'est important voilà que je le remplisse moi-même. Donc on va juste faire les petits dessins donc à l'arrière. Voilà, c'était un petit peu sombre, je vais j'ai mis un peu plus de lumière. Donc, alors, pour l'extension de cils, il faut d'abord savoir qu'on ne peut pas travailler sur tout le monde. Il y a des personnes sur qui on ne pourra pas travailler parce qu'elles ont soit les cils trop abîmés, trop courts suite à un problème de santé, ça peut être suite à de la chimiothérapie ou des personnes qui ont voilà, d'autres types de maladies qui font que qu'elles perdent des cheveux. Là je pense entre autres à des problèmes de thyroïde, mais il y a également d'autres maladies donc qui peuvent créer ce type de problème. Il y a également des personnes qui ont fait des recourbements de cils ou je me souviens plus du terme. Des permanentes de cils. Alors bon, ça c'est un peu plus vieux, mais bon, ça existe encore. Et donc du coup, elles ont les cils tellement recourbés qu'on ne pourra pas poser de cils par-dessus. Du moins, pas au-dessus. Par en dessous on peut, mais ça c'est déjà une technique un peu plus avancée. Donc dans cette vidéo je vais déjà vous apprendre un petit peu de théorie. Bien sûr je rentrerai pas dans les détails puisque c'est trop complexe dans un premier temps à comprendre et puis parce que ça ferait l'objet de toute une formation et c'est d'ailleurs le cas, c'est tout ce que je vous donne donc dans la formation. Donc déjà au niveau des cils, faut comprendre certaines choses. Il faut comprendre qu'il va y avoir différents types de courbures, c'est-à-dire voilà, vous allez avoir... Alors là, j'ai pas assez de lumière. Je vais me mettre peut-être... Ouais, il me faut un peu plus de lumière. Donc, je vais me mettre là peut-être. Donc, vous avez les courbures. Donc, vous allez avoir la courbure classique, on va dire, ça va être la courbure C. Voilà, c'est à peu près une courbure de ce type-là. Alors, je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, donc là, on est sur une courbe C. Donc c'est une courbure moyenne. On va utiliser cette courbe pour la plupart des personnes puisqu'en fait c'est vraiment on va dire la courbure standard qu'on va pouvoir poser. Donc si vous débutez, débutez avec la courbure C ou la courbure B, mais la courbure B va être moins courbée. Voilà. Donc il n'y a pas de courbure A par contre, voilà, ça n'existe pas. On commence vraiment à B, ensuite C, ensuite on a la courbe D, voilà, donc ça va être encore beaucoup plus courbé, voilà, là on est sur D, et plus récemment il y a une courbe CC qui est apparue entre la C et la D, donc voilà, là mes courbures se ressemblent assez, il faut imaginer voilà que la D est très courbée, la C un peu moins, et la CC entre deux. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que plus on avance, on va dire, dans l'alphabet, et plus ça va être courbé. Par contre, on n'aura pas de E, F, etc. Ensuite, on a aussi d'autres courbures, mais qu'on utilise beaucoup moins. Ça va être plus pour les cils très plats, les cils asiatiques, donc j'ai pas envie de trop vous perturber avec ça. On va pas le voir dans cette vidéo-là, mais sachez qu'il y a encore d'autres courbures qui existent. Dans un premier temps, lorsque vous allez faire de la pose d'extension de cils, vous allez travailler avec éventuellement le B, surtout le C et le CC. Le CC est moins facile à trouver que le C, donc je vous conseille vraiment d'utiliser le C dans un premier temps. Ensuite, il n'y a pas que la courbure, il y a également donc les différentes épaisseurs.
Et là, il faut bien faire attention à ne pas confondre courbure et épaisseur. Donc, les épaisseurs, on va en fait devoir calculer l'épaisseur qu'on peut mettre sur un cil naturel. C'est-à-dire que plus le cil naturel va être fort, épais, plus on va pouvoir poser un cil qui va être lourd. Plus le cil va être fin, plus on va devoir mettre un cil fin par-dessus. Donc là, je vous conseille vraiment de ne jamais, jamais, jamais dépasser les 0,20. Alors voilà, on voit des fois des 0,25. Ça, il ne faut surtout pas les utiliser. Je vais remonter ma feuille. Les 0,20, on peut éventuellement les utiliser, mais vraiment sur des personnes qui ont les cils ultra épais, ultra longs. Et voilà, il n'y a pas trop d'intérêt, j'ai envie de dire. Ensuite, on aura les 0,15 qu'on utilisera pas mal. Donc, je mets une petite flèche à côté. On aura ensuite, bon, bien sûr, on a des intermédiaires, hein, 0,12, mais j'ai pas envie de vous perturber. Donc, on va dire 0,10. Et ensuite, on va avoir des 0,07, 0,05, 0,03. Et ça, en fait, ça va être plus pour la technique du volume russe. Donc ça, encore une fois, dans la technique de cil à cil, on n'abordera pas. Mais sachez une chose, c'est que plus une cliente a des cils fins, plus on va mettre quelque chose qui est léger dessus. Et j'ai envie de dire, c'est un peu logique, puisque comme sur les ongles, voilà, plus une personne a les ongles courts, plus on lui fera les ongles courts aussi, pour ne pas avoir l'effet de levier. Alors comme vous pouvez le voir, hein, j'ai plus rien sur mes ongles, tout simplement, parce que j'ai un bébé de 3 mois. Et donc du coup, voilà, je ne peux pas tout faire. Je peux pas avoir et les ongles longs et un bébé, c'est pas trop compatible. Donc voilà, j'ai plus rien sur mes ongles, mais bon, voilà. J'en profite pour vous tourner aussi une vidéo sur des techniques annexes technique poussée au niveau de la prothésie angulaire. Donc voilà, ça m'arrange bien d'avoir les ongles courts parce que du coup je peux vous montrer tout ça. Et donc elle est en cours de préparation. Pour l'instant, je vous en dis pas plus, mais vous allez voir dans les prochains temps que qu'elle va être très très intéressante. Donc comme je vous disais, une personne par exemple qui a les cils assez fins, une personne on va dire qui va avoir dans la cinquantaine par exemple, parce que forcément on perd en général en densité, en épaisseur, voilà, donc les cils deviennent de plus en plus fragiles. On va partir sur un 0,10 ou un 0,12 à la limite, ou éventuellement un 0,15. Pour des jeunes filles par exemple, on restera sur des 0,15, 0,20. Alors, si on part sur un 0,20 et un D par exemple, eh bien là ça fera vraiment un effet cabaret. Donc c'est vraiment très épais, très gros, très voyant. Il n'y a pas tout le monde qui aime et ça ne tient pas sur tout le monde. Donc il ne faut pas essayer de faire le plus voyant possible sur tout le monde. Parce que forcément, voilà, non seulement ça ne tiendra pas, mais il y aura des gens qui n'aimeront pas l'effet fossile, l'effet trop noir, trop intense. Donc ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est adapter par rapport à chaque cliente. Et voilà, moi c'est ce que je veux pour vous, c'est que vous adaptiez par rapport à leur demande. Donc la première chose qu'on va faire déjà, c'est demander à la cliente ce qu'elle souhaite avoir. Voir ensuite si ce qu'elle souhaite avoir peut être faisable sur elle, parce que des fois certaines viennent avec une photo d'extension extrême alors qu'elles ont vraiment 3-4 petits poils qui restent, c'est pas possible. Et on devra même refuser certaines personnes puisque on ne pourra pas travailler sur elles au risque de faire que ben, tous ces cils tombent. Et là, en fait, voilà, il faut être très 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 prudent là-dessus. Il faut être très prudent aussi sur la dermatologie parce que souvent on n'y pense pas. Mais oui, c'est pas que au niveau des ongles, au niveau des cils aussi, il peut y avoir des infections, il peut y avoir des problèmes ben, d'œil qui vont devenir très très rouges. Je vais pas rentrer dans les détails, je vous mets pas de termes techniques ici. C'est vraiment une toute petite vidéo d'initiation, mais sachez bien qu'il peut y avoir beaucoup beaucoup de soucis. On va voir dans la formation professionnelle d'où viennent ces soucis, comment les éviter, parce que sinon ça peut être très très dommageable. Et aussi on va voir ben, tous les documents qui sont nécessaires pour faire une pose sécuritaire et aussi le patch test qu'on fera avant pour tester les produits. Ça c'est une chose primordiale. Vous ne pouvez pas
posée sur quelqu'un sans avoir fait un test avant. C'est comme pour la teinture, on est toujours censé faire un test d'allergie avant. Souvent on ne le fait pas, c'est à nos risques et périls, mais normalement ça devrait être systématique. Donc j'en reviens à mon petit schéma. Donc il faut bien différencier les courbures et donc les épaisseurs de cils qu'on va poser. Ensuite, on va avoir différents types de cils. On va avoir les types de cils qu'on va appeler mink, silk, vison, synthétique. Vous risquez de vous perdre un peu dans tous ces termes. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que actuellement sur le marché, il n'y a plus que des cils synthétiques. Vous ne trouvez plus de cils en vison. Les premiers cils vison, c'était effectivement des poils de vison. Et alors là, moi, ça ne rentre pas du tout dans ma démarche. Voilà, j'ai que des produits, comme vous pouvez aller le voir sur le site Yournels, qui sont vegan, hypoallergéniques, sans acide et surtout non testés sur les animaux. Donc, bien sûr, je n'utiliserai pas ce type de cils et d'autant plus qu'ils peuvent être contaminés ou voilà, c'est pas sécuritaire du tout. Donc, on n'utilise plus ça. On n'utilise pas non plus de cheveux humains. Donc on va tous les cils en fait, même ceux qu'on appelle visons maintenant encore, sont faits dans une matière synthétique. Donc voilà, rassurez-vous, hein, ça n'existe plus, ou du moins pas à ma connaissance. Donc il y a des différences entre les différents cils. Par exemple, les minks en général sont plus mats, les silks vont être plus brillants. Donc après, c'est suivant ce que vous aimez. Vous pouvez aussi en avoir plusieurs types pour demander justement ce que votre cliente préfère et donc lui poser voilà ce qu'elle préfère. Ce qu'il faudra, c'est avoir une grande variété de cils, une grande variété de courbures pour justement correspondre à toutes vos clientes. Donc on va vraiment adapter aux clientes. Bien sûr, dans un premier temps, on va faire des poses avec des choses, on va dire, moyennes, qui correspondent plus ou moins à tout le monde, c'est-à-dire une courbure C et une épaisseur de 0,15. Mais vous allez voir qu'ensuite, on arrivera à faire du travail beaucoup plus précis, aller beaucoup plus loin et forcément demander aussi une rémunération plus importante. Enfin, une tarification plus importante quand on va aller vers des choses plus poussées, où on va faire des formes spécifiques. Par exemple, dans un premier temps, donc voilà, je reprends ma petite feuille. Donc là, on va dire c'est l'œil de la cliente. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que, alors admettons, hein, là, c'est cils naturels comme ça. Là, on met donc notre petit patch dessus. Et en fait, on va dispatcher. C'est-à-dire qu'en général, on va prendre un tiers de l'œil ici, et à partir de là, on va découper en portions. Voilà, mais tout ça, je vous explique dans la formation, hein. Là, bien sûr, les portions n'ont normalement pas la même grandeur, mais c'est juste pour vous donner une idée. Alors, qu'est-ce que je viens d'écrire? C'est-à-dire, en fait, ça, c'est la longueur des cils, et ça, c'est encore une fois autre chose, c'est-à-dire qu'on a vu la courbure, on a vu l'épaisseur et maintenant on a la longueur des cils. Donc ça fait déjà trois variantes différentes. Donc la longueur, elle va en général de 7, grosso modo, jusqu'à 14. 14, je vous conseille pas du tout d'utiliser parce que c'est extrêmement long. Et surtout, l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on met du très très long en extérieur pour avoir un effet d'œil de chat, alors que c'est pas ce qui correspond le mieux à tout le monde. Le mieux, en fait, c'est cette forme-là, c'est-à-dire le plus long ici. Et ensuite, on va aller de manière dégressive d'un côté, puis de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est ce qui donne un regard qui va vraiment être le plus expressif. Ça donne un regard un petit peu de poupée. Et donc du coup, c'est ce qu'on fera principalement. Donc surtout, on ne décale pas, par exemple, on ne passe pas de 12 à 10 à 8 parce que ça, des fois, on le voit. Et ça, en fait, il ne faut surtout pas le faire parce que vous allez avoir des décalages, en fait, au niveau de vos cils. Et ça, c'est ce qu'on veut pas, forcément. Donc voilà, là on a vu déjà les trois principales critères dont on va tenir compte pour faire une pose adaptée à la cliente. Voilà, donc nous allons à présent aller sur le site pour que je vous montre donc le contenu de la formation et je vous en dis un petit peu plus sur tout ça. À tout de suite.
Voilà, donc nous voilà sur la plateforme de formation où vous pourrez accéder donc à la formation d'extension SILASIL. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez un menu, vous avez donc tout en haut l'accès au groupe privé. Donc en cliquant sur ce bouton, on tombe directement sur le groupe privé Facebook et il suffit donc de faire la demande d'ajout pour que je puisse corriger vos pauses. Donc on va commencer voilà par les différents modules. Donc déjà il y a une petite vidéo d'explication. Là vous allez retrouver donc tout ce qui va être téléchargeable, donc le manuel de théorie qui fait plus d'une cinquantaine de pages, des exemples de cartes de visite et fidélité à personnaliser, le formulaire de consultation, le suivi de pause, la politique d'annulation. Donc ça c'est tous des documents que je vous fournis déjà et que vous pourrez donc directement télécharger en cliquant donc sur le lien et vous pourrez également les modifier bon, pour qu'ils correspondent à vos besoins. Donc vous avez également la possibilité donc de noter chaque module et de marquer donc chaque module comme terminé. Comme ça au moins vous savez où est-ce que vous en êtes. Donc vous pouvez très bien aller dans les modules sur le haut ou alors sur le côté. Voilà, les deux fonctionnent. Donc par exemple, hop, on va sur un module de théorie, on clique simplement en dessous et là donc on a donc le manuel. Alors je vais pas vous le faire tourner parce que sinon vous allez m'entendre, mais voilà juste pour vous donner une idée. Alors bien sûr la mise au point va se faire. Hein. Là voilà j'ai pas trop de réseau, mais pour vous donner une idée voilà on va voir différentes choses dans la formation. Donc voilà ça c'est une petite partie. Et donc voilà, là on va faire beaucoup de modules de théorie dans un premier temps. Voilà, donc je peux vous montrer hein, rapidement donc les différentes choses. On va voir la dermatologie, le patch test, les attentes des clientes, courbure de cils, les longueurs, les épaisseurs, les cols, les différents types de poses, après la pose, le remplissage, le guide, le matériel, les pinces, la tenue des pinces, la colle, les cils, préparation de la tête de mannequin, donc le ramassage des extensions, l'entraînement, enfin voilà, on va voir énormément de choses. Au niveau des cils, on va voir le mapping aussi qui est très important. Voilà, et donc, en fait, dans cette formation-là, vous allez avoir des évaluations à passer et un examen final. Une fois que vous avez passé l'examen final, eh bien, vous pourrez tout à fait pratiquer en tant que styliste cilaire. Voilà, c'est le terme exact. Ou en tant que voilà professionnel de l'extension de cils. Et donc, vous recevrez bien évidemment un certificat qui atteste de tout ça. Donc, en fait, vous allez aussi pouvoir financer cette formation, donc soit à titre personnel en plusieurs fois, soit par votre compte personnel de formation, mieux connu sous le terme CPF. Donc voilà, vous avez des droits, vous cotisez, donc vous pouvez les utiliser. Et voilà, donc je vous dis à très vite. Je vous prépare prochainement d'autres vidéos sur l'extension de cils. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous avez envie d'en voir plus et si vous avez envie de rajouter cette prestation aux prestations que vous proposez peut-être déjà. Voilà, je vous dis à très vite.